Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre aujourd'hui hein, pour nous porter pour vous une série d'interviews spéciales. Vous connaissez déjà, vous connectez, vous sous tribota à la caille, Maman Pemba qui toujours cherche pour vos informations, quel que soit côté de lui. Alors, aujourd'hui, Jean-Claude Gadeli, nous avec une grande personnalité de la politique haïtienne, moi je dis ça, qui c'est Evans Paul. Donc, nous parlons petit par les pays, nous allons essayer de faire quelques petits débats ensemble. Bonsoir ou bonjour, monsieur Evans. Bonsoir, bonjour, tout est bon qui branché, technicien, journaliste, avec un peu de plaisir, je réponds à l'invitation Tripota et Lakay pour nous faire embrasser l'idée, malheureusement, sous pays, nous, qui a traversé un moment très, très difficile. Un moment très difficile, quelle lecture des situations? Bon, nous avons une crise qui vient aggraver avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est à la fois un événement politique, c'est tout un gros événement historique parce que dans l'histoire, nous, M. Moïse, c'est le 12e président qui mourit sous pouvoir, 12e monde qui mourit pendant qu'il a dirigé le pays. Alors, à noter parmi 12 là, Henri Christophe n'a jamais dirigé tout le pays. Il était dirigé de Nord, mais quand même, il était chef d'État, il était suicidé tête. Monsieur Moïse, c'est le 7e président qui mourit mort violente. Alors, il y a 5 qui sont censés mourir mort assassinée, ou bien sauté au palais national. Et dans 7 là, il y a un qui a eu un poison. Et Gayoun qui était suicidé tête li, on voulait parler d'Henri Christophe. Alors, le 7e président qui mourit mort violente, le 5e président qui a assassiné. Alors, de toute façon, son événement historique important en 117 ans depuis le pays indépendant, ça fait 5e fois qu'il a assassiné un président de manière spectaculaire. Une situation, j'en suis dit là, qui toujours arrivé dans le pays, ça, donc en tant qu'ancienne personnalité, qui soit qu'a dit, qui permet que ça toujours à répéter, à toujours dans le pays? Bon, on nous dit ça pas toujours répété. Non, bah, c'est quand même que en, 5 fois. En 217 que 5 fois. Bon, il y a dit que chaque pays a une histoire, par yo. Un gros pays, tant qu'aux États-Unis, il y a deux présidents là-dedans, ils ont été assassinés, Abraham Lincoln et puis avec Fitzgerald Kennedy. Alors, ça arrivait. Maintenant, particularité gagnée dans les gens, ça passait avec le président Jovenel Moïse là, c'est que c'est en deux chambres là qu'il est allé sans pas aucune résistance. Quand il y a des raids, quand il y a des snipers, par exemple, le cas du président Kennedy et aux États-Unis, c'était un sniper, c'est un monde qui tirait de loin, et ça te prend un peu de temps, peut-être jusqu'à présent, par exemple, identifier vraiment qui monde qui était. Et exécuter Zach là, c'est sûr que tu es un complot quelque part, il y a un monde qui a consorti un président. Mais de toute façon, dans le cas spécifique d'Haïti, c'est un événement extrêmement grave. Grave parce que son monde qui a tué son papa petit, c'est un mari, c'est son humain, et puis son président de la République. Lors assassiné un président de la République, ou fait attentat sur tout le pays. Et lorsqu'un président de la République, côté remen, côté remen, il représentait l'image pays sur le plan international. Alors, quel que soit haïtien, d'une manière ou d'une autre, ou touché, par un côté sous la terre, il n'y a pas connu que il a assassiné un président pays d'Haïti, Jovenel Moïse, et il a un impact quand même sous pays, sous l'image pays, parce que l'on pays n'est pas arrivé par président en sécurité, eh bien, un monde qui a voulu investir dans le pays a posé des questions. Et vous connaissez aucun pays pas marché, surtout un petit pays pauvre tant que Haïti, sans investissement étranger. Alors, au-delà de la vie président Jovenel Moïse a retiré, mais il y a la vie l'autre monde qui a retiré à petit feu. Ça veut dire plus chômage, plus misère, pays à pays isolé. Il faut même pas prendre ça qui passe à la légère. Généralement, le président Jovenel Moïse était toujours dans des discours qui n'ont pas fait plaisir, possiblement à quelques monde ou secteur dans le pays. Par exemple, nous sommes dans le discours qui était parlé de tapes sous nos mains. Est-ce qu'on nous a dit, nous, manière de divulguer information au président, est-ce qu'on a dit
ça capable de participer dans la sacrée. Eh bien, mais il y a des gens qui disent des bagages exagérés sur le président. Il y a des gens qui disent que le bon Guillaume Samedi. Il y a des gens qui disent que le ballon calotte. Ça veut dire une grande exagération de langage. Moi-même, je ne suis pas jamais partisan. Le président participe là-dedans. Je ne suis pas jamais partisan d'exagération de langage. Cependant, ça ne pas justifier que tout ah non, ça, parce que si on tape tout le monde pour exagération de langage, on peut l'aïtien tape mourir. Et nous pas entendre ça encore. De la même façon, un président, personne ne va tape tolérer. Pour l'arrêter un journaliste, l'arrêter un homme politique, parce qu'il te dit une parole qui n'a pas fait le plaisir, personne tout pas le justifier que tu tue un président parce que n'a pas d'accord avec ça le tape dit. Ce n'est pas ça que la démocratie, c'est l'intolérance. Maintenant, si vous pensez que le président fait diffamation sur vous, il n'est pas au-dessus de la loi. Ou qu'à poursuivre, il n'est pas qu'à retirer la ville. C'est de ça qu'on a parlé. Moi-même, je suis toujours partisan pour nous temporiser la situation, pour nous respecter, pour nous ne pas dire n'importe qui. Surtout, là, c'est président, là, c'est homme politique, là, c'est journaliste, ou c'est leader dans la société. Il y a une modération, une image de pays, même suspendre, dénigrer le monde, etc. Mais ça ne veut pas dire que l'homme qui fait des rives, là, il faut tuer. C'est ça, et je pensais que tout le monde était d'accord sur. Bon. Monsieur, au Seyoun Namoun, ma pose de question, ça, c'est par rapport avec responsabilité. Donc, vous gagnez pour gagner ça en tant que monde qui a fait politique longtemps. Généralement, instance droit mounio, les incidents qu'on s'accrive, fort souvent, de façon, et qu'on allait aussi rapide pour porter lumière quelque part des de situations. Donc, on trouvait pendant une période ça, on lentait la caille, et pour ne pas même dire un silence de bon côté. Donc, comment on comprend ça? Moi-même, je ne vais jamais juger les gens, parce que je ne vais pas juger. Moi, je dis ça pour me dire, et je fais effort pour ne pas marcher sous pied l'autre monde. Chaque acteur, dans la société civile, dans la politique, mesure l'action suivant le contexte. Suivant la conjoncture, suivant réflexion, peut-être suivant intérêt ou tout, et ses droits. Son choc qui passe, qui surprend en pile monde, tout le monde ne doit pas réagir. Même gens. Si il y a des gens qui ont besoin plus de temps pour comprendre avant de réagir, tant mieux. Je n'ai aucun commentaire à faire sur ça. Ce qui est important, c'est que faut tout le monde faire preuve de responsabilité. Et de modération dans ce qui a posé pour que ce qui a posé a contribué à mener harmonie dans le pays. C'est ça nous besoin. Pour nous suspendre, voyer monter, vilipender le monde, qualifier le monde de tout bagarre. Parce que lors de dénigrer un frère, parfois à tort, eh bien, ou dénigrer le pays à tout. C'est ça que fait. Ou pas qu'à faire une société avancée sans justice. Et il y a un combat contre la justice. Combat tout partout. Tu es capable de dire que mes responsables, c'est moi qui dans l'État. Mais il y a une société qui n'a pas voulu justice là. Parce que si il y a une justice, il y a un côté pour tout bagaille réglé. Mais il n'y a pas de justice là, ou bien justice là, son portrait, ou bien il manque de notoriété, il manque de crédibilité. Ça crée un boulevard pour tout le monde faire justice par eux, sur les réseaux sociaux, dans la radio, détruire le caractère. Il faut que nous suspendions. Alors moi-même, position pas moins, c'est que chaque monde agit suivant conscience, suivant responsabilité, suivant analyse, suivant positionnement. Je n'ai pas gagné pour moi interférer dans le comportement de l'autre acteur. Oui, bon, président Jovenel Moïse mouri, pays a trouvé une situation possiblement que personne ne va attendre. Il a quand même dit, constitution de mon côté. Il n'y a pas vraiment une solution qu'a proposé à cause tout secteur dans la vie nationale, là, tout acteur politique. Yo, c'est essayer, avec essayer, ouais, c'est d'avoir un consensus ensemble. Blanc, pratiquement, à un certain temps, tu prends la parole, il dit, mon cher, mais qui s'agrit fait? Dans moins que 2-3 jours, Blanc change de position. Donc, qui lecture le comportement blanc par rapport à la situation Haïti à vivre là? Bon, je ne sais pas comment juger le comportement blanc. Blanc, vous dit communauté internationale, vous avez pour nous juger comportement par nous. Mais en général, si Blanc capable de jouer un boulevard pour le fourrer bouche qui font nos paroles, juste pour prendre une décision pour nous, et parce que nous-mêmes, nous ne pas faire un rôle nous. Ça arrive toujours.
Oui, mais parce que nous n'avons jamais fait rôle, nous, parce que nous n'avons pas fait respect, nous, parce que nous n'avons pas fait la part des choses, parce que nous n'avons pas transcendé, parce que nous n'avons pas fait concession. Nous, bon monde, nous avons utilisé, nous n'avons pas un sens mot. Tout le monde a parlé de consensus. Mais ça veut dire consensus. Pour commencer, consensus n'est pas qu'en pratique. Consensus n'est capable de faire une longue situation. Il y a deux mots qui sont à la mode. De facto, consensus. Ni l'un ni l'autre pas démocratique. Consensus n'est pas démocratique. Consensus en dehors de la loi. Ça nous a besoin, c'est justement parce que nous avons une faiblesse dans la Constitution, parce que l'institution n'a pas fonctionné, parce que nous n'avons pas respecté l'autre, parce que nous n'avons pas respecté l'autorité établie, eh bien, la communauté internationale, je ne boulevard, pour le fourrer bouche, pour l'essayer, pour raison parler, pour image parler, fixer les choses aussi. Là, quand vous avez un maradam toute la journée, ou bien voisin, occasion pour venir mettre au là, là, vous mettez au là, vous avez quelques coups de poing qui passé, parti, madame, vous avez un coup, même vous avez un coup tout parce que vous n'avez pas fait respect. Alors, je dis, c'est parce que la éthique du pays, pour que sa communauté internationale va tout influencer sur la République Dominicaine, sur Cuba, sur l'autre pays, parce que nous créons brèche là, je ne voulais pas gagner, il faut un minimum d'entente entre nous, même si n'a toujours une différence, n'a toujours une divergence. Mais nous gagnons bien en commun, un héritage en commun qui relève Haïti, qui n'a pas fini dans même. Alors je dis, il y a bonne conscience pour nous prendre. Gouvernement de facto, c'est vrai de facto, mais de facto, à son situation qui fait de facto, parce que nous sommes toujours dans la crise. Nous demandons le consensus. Ni de facto, ni consensus, ce n'est pas solution. C'est parer l'appli, c'est boucher brèche. Nous avons besoin aujourd'hui de créer une situation pour une constitution qui est fonctionnelle, qui est applicable. Parce que nous avons un problème de constitution. Voilà que nous avons une situation là, que nous disons constitution pas de prévoir. L'été prévoit. Mais l'été prévoit, la solution de prévoir, son bagage qui plein contradiction là-dedans. Constitution, source de problème. Le président prévoit, dit le coup d'elle, mais c'est la vérité. Président Moïse te dit a fait référendum. Yo courir d'elle. Je dis elle pas là. Eh bien, faut nous garder, faut nous moyen constitution. Pas moyen pour tirer ficelle là en faveur président, en faveur parlementaire. Pour nous moyen pour nous gons outils qui capable faire société à marcher bien. Nous toujours bon conflit entre articles. 7 février année ça, 7 février 2021, tu bon gros parle en pile sur application article 74. 1, article 134.2, 134.1, selon moun qui interprété constitution Jean Bayo, te dit mandat président fini, 134.2, selon président et partisan, mandat tap fini 7 février 2022, pays a fait un paquet de temps de division sous ça, et même président Mourou, il y a moun qui toujours croit que le président encore c'est de facto. Il y a parlé de consensus. Par contre, quel côté dans la constitution qui dit que les grands problèmes n'ont pas résolu par une décision de fait, de facto, ou bien n'a un consensus. C'est la loi pour appliquer, c'est les règles pour appliquer. Alors je dis, il faut nous dire, a toujours un problème. Le président a mouru de façon violente, nous pas accepté. Mais il était qu'à mourir de mort naturelle. Il était qu'à décider de démission et tout. C'est des situations qui viennent dans toute société. Il faut nous prévoir et faut nous battre nos moyens qui sont beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, qui pour faire les situations ça représenter, nous capables d'une solution rapide et nous créer stabilité dans le pays. Je dis, premier acteur qui a meilleur comportement, c'est le peuple haïtien. Tout le monde pensait que tu n'as pas le droit de la rue, faire violence. Il y a un comportement raisonnable de peuple civilisé que nous devons saluer, que nous devons honorer, que nous devons encourager. Généralement, on entend parler de blanc, donc c'est parce qu'il n'y a pas de vote pour entrer. De fait, nous, en Haïti, acteurs politiques, même on dit, c'est blanc, ils ont toujours obtenu bénédiction blanc pour faire n'importe quoi. Par exemple, c'est à prendre nous, quand le nouveau premier ministre, là, Ariel Henry, dans un temps, les blancs ou bien binus qui sont campés dans le club Joseph, ou en quelque sorte, ils étaient à l'école. Donc, mais qu'on y a, blanc avec lui, il changeait de comportement. Est-ce que le comportement blanc peut permettre que l'imposition qu'il fait par rapport avec le registre de travail qu'il a Ariel Henry capable de retirer le pays dans la situation liée à la au plus vite, car nous avons Matissan, car nous avons l'élection à parler,
et nous toujours gain les problèmes basiques que des toujours gain ça fait plusieurs années. Ça pour un peu le monde qu'on est blanc pas une solution pour Haïti. Pas vrai ou pas? Il pas de solution pour Haïti. C'est pas question de vle. Bon, si nous dit pays a pas pays parle. C'est diplomatique, il y a pas de solution. Ou gain un pays pauvre, ou monde doit riche passer ou. À force on doit pas bon mais ça va me laisser c'est monde qui décider soit manger la caillou qui doit dormir qui doit prendre chambre qui doit prendre salon la caillou qui doit pas habiller le matin si ou même ou agent mineur ou bail monde ou bail voisinage ou bail famille doit venir faire ça pour qui fait tout ça pour se dire là c'est comportement non parce que justement quand monsieur Ariel Henry était nommé par le président Jovenel Moïse mais il était contesté lui et ses amis politiques, mon qui habite. Quand le président Jovenel Moïse, mouri, il y a des gens qui ont chité avec lui aussi un papier pour dire qu'il voulait, etc. Mais conditionné peut-être par influence dans le pouvoir. Combat à la passé mal, il aurait contesté encore. Nous contestons tout le bagaille. Même temps, des gens contestent date pour enterrement fait. Bon, comment comprendre? On moun mouri, il y a une famille. Ils sont chef de l'État. L'État décide en date. Famille décide ensemble à l'État, à fondement, on leur, il y a l'autre monde qui est doux ou pas d'accord. Nous pas capables de contester. Peut-être par rapport à l'entête que la police gagne avec l'enquête là. Non, mais il n'y a pas besoin de cadavre pour faire enquête, frère. Cadavre, qu'est-ce que vous faites avec lui? Ils font une autopsie. Alors, si l'enquête a duré un an, il y a fait un cadavre, il a duré un an, on ne peut pas vivre un an avec un cadavre. Ça veut dire que c'est raisonnable. Ce n'est pas cadavre là qui fait enquête là. Cadavre là, ça peut être fait avec lui, il fait déjà. Ça c'est scientifique. Il faut que moun yo konn ça, faut que moun ki di moun yo ça parce que nous pas capable pas. Bon, nous tellement contester. Nous contester même tête nous. Nous pas accepter Jean bon Dieu voyer nous acheter pour Dieu pour nous faire tête nous vinn blanc. C'est non ça nous y est. Nous pas fier de tête, nous pas fier de pays là. Nous tout n'a fait effort pour traverser frontière, si elle n'a arriver bien pour aller plus loin. C'est ça que fait, nous prend pays là comme un côté comme ça, nous pas fait effort pour nous bali saleté gain comme grandeur, saleté gain comme dignité, saleté gain comme valeur historique, culturelle qui l'a toujours que n'a dégradé chaque jour. Alors je dis à me penser que assassinat monsieur Moïse pas changer pays, mais le cap permettre nous réfléchir pour nous assassinat agir différemment pour pas gain l'autre Jovenel Moïse qui mourir. Là me dit l'autre Jovenel Moïse. Je voulais parler de mon Figueroa d'Oval tout. Je voulais parler de Diego Charles. Je voulais parler d'Antoinette Duclair. Je voulais parler de tout l'autre monde qui mourit. Que ce soit c'est dans Cité Soleil, Soubelle, que ce soit c'est Matisse, tout le monde qui a mouru mal, mort crasé, mort violent. Nous n'avons pas d'accord avec ça. Jovenel Moïse, nous n'avons pas d'accord. Personne, petit peuple. Parce que Jovenel Moïse, président, mais côté le sorti, qui est origine sociale. Moi-même, moi, mon raison. Qui fait m'a pas jamais la Jovenel Moïse. M'a pas jamais te toléré dérive parce que m'a pas jamais campé ni avant la mort ni pendant le mort pour nous son santé. Nous te gain divergence politique. Mais divergence politique là pas t'a fait m'arriver pour me penser faut mourir. Même j'aime m'a gain divergence l'autre monde qui fait politique connait même penser faut que exister. Moi toujours dis on bagaille son réalité. Équipe qui prend gol là c'est ligue pour mettre gol là. Ça même haïtien créer problème Haïti que on en opposition, que on en pouvoir que dans société civile c'est même haïtien ça pour une formule que soit côté nous que n'a vive dans grande ville que n'a vive en dehors que n'a vive dans diaspora c'est même nous même n'a fait effort pour reconnaître mo soto nous chaque gain dans comportement nous soit par action soit par mauvaise action ça soit par omission et puis pour corriger ça pour corriger pour nous quitter l'autre héritage pour l'autre génération qui va venir. Merci beaucoup monsieur Evans. C'est un plaisir.